On a des cailloux partout. Donc on dit que c'est pas mal parce que justement ça emmagasine le soleil et que la nuit ça renvoie la chaleur. Je suis née ici à Péron. J'étais à mes parents. Après il y a mon frère qui s'en est occupé. Faire du vin, j'ai commencé en 2014. Je me suis lancée là-dedans, mais je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir. Comme ça, on se donne à fond et voilà. Je suis quelquefois impressionnée par tout ce que j'ai fait, avant d'arracher, j'ai embobiné tous les fils de fer. À partir du moment où on est attaché, je crois qu'on est capable de faire beaucoup de choses. On a deux appellations sur le même territoire, donc l'appellation Madiran et l'appellation Pacherin du Vic-Bilh, soit du blanc doux, soit du blanc sec. Et on a quand même un cahier des charges à respecter. Ce sera la première année que je fais du sec, donc c'est un événement pour moi. J'ai fait cette année, étant donné que je faisais du sec, j'ai fait deux prélèvements. Après, je l'envoie en laboratoire. Et ensuite, ils font une analyse complète où il y a notamment ce qui nous intéressait, c'était le degré et les acidités. C'est ça qui donne le feu vert pour les vendanges. Voilà. J'aime beaucoup l'ambiance. On est dehors, il fait beau. On raconte des blagues, on chante des chansons. Même les reins sont d'accord. Bon, je ne dis pas que ça ne fait pas un peu mal le soir, mais on s'en sent pas mal. Hein. C'est pas mal à genoux parce que comme ça, au moins, on voit ce qui se passe dessous. C'est plus facile pour attraper les queues des grappes. Parce que quelquefois, il faut vraiment les chercher. Ça, c'est des petites grappes. Et puis bon, je vous dis, elles ont été un peu abîmées. Enfin, elles ont été abîmées par la grêle. Après, on a eu 90 mm avec le mildiou qui s'est abattu. Et tout le monde a couru après le mildiou pendant toute la saison, pratiquement. Et en fin de parcours, l'oïdium qui commençait. Donc, une année compliquée, fatigante, parce qu'on n'a pas arrêté. J'ai quand même pas mal donné depuis que je suis là. J'ai pas mal restructuré. Bon, c'est une petite propriété. Hein. Non, c'est de consolider, de me faire connaître et de faire quelque chose de bon et de belles choses qui attirent les personnes jusqu'à la source.